Saint-Mesmin, petite ville tranquille de 1900 habitants. Ici, nous sommes à la frontière des Deux-Sèvres et à quelques kilomètres seulement de Cerizay. Parmi les habitants, évidemment des salariés de Liège, d'où l'inquiétude du maire. On est effectivement totalement concernés. C'est vrai qu'il reste encore, moi je connais un certain nombre de jeunes, quoi, dont même quelquefois les deux travaillent chez Liège. Donc c'est vraiment une inquiétude majeure. Dans les rues, Eliès est au cœur de toutes les conversations. Certains y ont travaillé, d'autres ont de la famille parmi les salariés, mais quelles que soient les situations, tous se sentent concernés. Je suis embauché là-bas en 1961. Donc j'ai fait 23 ans là-bas et j'ai fini donc ma carrière mais toujours chez Eliès, mais Eliès Bus après. Si malheureusement ça vient donc à fermer, puis les gens sont licenciés, c'est que vu la conjoncture, hein, retrouver du travail, ça va pas être évident. Hein. Et puis là aussi, hein, quand on arrive à un certain âge, hein, c'est pas facile. Hein. Mais c'est vrai que ça touche beaucoup de monde. Hein. Touche beaucoup de monde, hein. On entend les gens discuter de ça. Ça a l'air d'être un gros problème en ce moment. Moi, je ne suis pas concernée parce que je n'ai pas de famille qui travaille, mais je pense que c'est vraiment un gros problème dans la région. Ça discute beaucoup sur ce sujet en ce moment. Ça touche Eliès, évidemment, mais Saint-Amand est concerné parce que ceux qui pourront perdre leur travail chez Eliès, les peu de commerces qu'il y a à Saint-Amand vont souffrir également. Retour dans le bureau de Monsieur le maire, le risque s'éclaire, c'est l'impact sur le bassin d'emploi en cas de disparition de Liège. C'est plus qu'une inquiétude, c'est vrai que si Liège était appelé à disparaître, malheureusement, ce serait vraiment tout le secteur de bassin d'emploi qui est touché. Quoi. C'est une catastrophe économique, parce que c'est vrai que nous, une commune de 1900 habitants, et puis toutes les communes limitrophes, là, on aura malheureusement un taux de chômage qui va augmenter de manière importante. Sur le site de Cerizay, 40% des salariés de Liège sont vendéens. L'avenir du groupe intéresse donc directement le département.